Vincent, on va refaire Vincent, une. Tu vois Ouais, c'est ça. Vincent, on a distribué le micro. Ok. Et non seulement il y a des réalisateurs qui sont venus depuis les États-Unis, depuis Toulouse, mais il y a en plus l'actrice principale de Vénus qui est là. Faites un triomphe. Alors, nous avons 8 petites merveilles au programme. Alors, on a créé un certain rythme. Vous allez voir, il y a une certaine progression dans les choses qu'on va vous montrer. Les 3 premiers, c'est ce que vous voulez voir. Du son, de la tripaille, du gore et tout ça, du fun. Vous allez, j'espère, bien vous éclater. Il y a The Newcomer, suivi par Stophead et puis Heatwave. 2 Espagnols et un film de Grande-Bretagne. Les 3 réalisateurs n'ont pas eu assez de fric pour venir jusqu'à Strasbourg. Il y en a 2 qui sont en tournage et Emily a préféré aller à Sitges où son film passe juste dans quelques jours, etc. J'ai dit bon, très bien, parfait, vous allez voir. Mais après ces 3, il y a une petite progression, une tournure. Ça va devenir, à commencer à être un peu dark avec Merger de Daniel de Grande-Bretagne qui, pareil, n'a pas pu venir malheureusement, mais il vous salue. Et ensuite, dans l'ordre, Sophie, you're the next one actually. You're gonna be the 5th with Right Baby Right. Getting darker and darker. Maybe you could say a few words, peut-être quelques mots sur ton film Right Baby Right, Sophie. I have a very shitty car, and this is inspired by that. Sophie vous a dit good evening, mais elle a dit en français. Et Right Baby Right est un court-métrage qui est inspiré de sa bagnole totalement pourrie et qui a donné lieu à ce que vous allez voir. Right Baby Right. All right. I didn't expect it to be that short, actually. Okay, next after yours, Mike. You are from the United States. Mike nous vient depuis les États-Unis. Et avec un court-métrage qui s'appelle Abomination et qui est en première mondiale ce soir, mesdames et messieurs, c'est la toute première. Mike, would you say a few words? Yeah, so this is our world premiere. I'm so excited to be doing it here at Strasbourg. The films have been amazing, and I feel very honored to be here with so many amazing filmmakers. So it's very special for us and everyone that worked on the film. And it's a dark film. We shot it on the streets of New York City in the freezing cold at night. You'll see, it's dark. Donc, effectivement, Abomination, c'était une première mondiale. Je suis tellement content d'être ici avec nous ce soir et de pouvoir vous le montrer pour la première fois. Je suis extrêmement honoré d'être parmi vous et avec tous ces incroyables réalisateurs invités en dehors. C'est un moment extrêmement spécial pour moi. Le film se passe la nuit, a été tourné la nuit dans les rues de New York. Et il faisait extrêmement froid lors du tournage. Et qu'est-ce que je peux rajouter ? C'est vraiment dark comme ça. Yes. Ok. Should we say a few words just about the other job I didn't know about, or should we? Sure. Go ahead. Okay.
J'ai vu le court-métrage de Mike avec les programmateurs. On a beaucoup aimé. Il a un peu hésité à le mettre en première mondiale. Il est arrivé il y a 2 jours. On a sympathisé et puis il y avait tout un tas de gens qui n'arrêtaient pas de venir lui parler. Je dis tiens, un réalisateur de court-métrage, etc. Et c'est là que j'ai appris qu'il avait un deuxième job. Your other job, if I might say it so, I didn't know about is makeup and what, special effects. Now it's not. Yeah. Maybe you could define it better, and just say what you did in the past, just very shortly. Yeah. So I've done special effects makeup, like prosthetic makeup for movies for many years. So I did like the Penguin makeup and the Batman on Colin Farrell, where he looks like a totally different person. So part of the inspiration for making the film is I wanted to tell a story with a character that I created and build a world around that. So everything you see is practical effects. There's really no CGI. So yeah, it's very, very special to me for that reason. Thank you, Bastien. Dit-il, un autre job de la vie qui est, lui rapporte des thunes, contrairement à ce court-métrage. Ce sont les effets spéciaux, et notamment de maquillage, et notamment tout ce qui concerne les prothèses. Et il a fait un tout petit film qui est passé quasiment un aperçu récemment, qui est Batman. C'est lui qui était en charge de créer le costume du pingouin, donc Colin Farrell. Tel qu'il est dans le Batman, apparaît dans le film. En fait, il était nominé aux Oscars, il n'a pas précisé, mais enfin voilà. Et du coup, c'est ce travail au quotidien qui l'a vraiment inspiré, qui lui a donné la pulsion, l'envie de faire le court-métrage Abomination, puisqu'il a créé la créature que vous allez découvrir entièrement lui-même. Il n'y a pas d'effets spéciaux numériques, c'est absolument encore tout à l'ancienne, artisanalement, à la main. Je pense que ça va vous plaire. Thank you, Mike. Thank you. Comme on sera bien dans le dark des rues de New York, on va aller encore une étape plus loin. Voilà, je ne vais rien vous épargner ce soir. C'est Vénus de Michael Yolan et Naya. Je peux dire que c'est un film qui est costaud. Eh bien, bonsoir tout le monde. On est très content d'être diffusé ici ce soir à Strasbourg. Voilà. Et vas-y. Pour vous, en fait, on va simplement vous expliquer la genèse du film. En gros, on est. Attention, ça va être un sujet un petit peu sympathique. En gros, on est tous les trois très sensibilisés aux violences sexuelles et à ses conséquences. Et en fait, c'est en partie pour ça qu'on a souhaité représenter dans le film que vous allez voir le cauchemar, le traumatisme d'une femme tombée enceinte suite à un viol. Donc à partir de ce sujet-là, en fait, on a essayé de travailler autour, et c'est pour ça qu'on a... Et on voulait également réaliser des effets visuels percutants avec des ressources très limitées. Donc voilà. Tu veux rajouter quelque chose, Naya? Du coup, merci beaucoup pour être là ce soir, ça me fait extrêmement plaisir. C'est vrai que Vénus, ça a été un gros défi en tant que comédienne, c'est peu de le dire. En plus de ça, le corps gros est très peu représenté au cinéma. Du coup, et en général, quand c'est représenté, c'est le sujet principal. Alors que là, Vénus, ça n'a rien à voir. Et comme il l'a dit, ce sujet-là, j'y tiens énormément. Du coup, ça me fait très plaisir d'y avoir participé. Moi, j'ai envie de vous souhaiter bon courage. J'ai envie de vous dire que ça va vous remuer. Et n'hésitez pas à venir discuter avec nous après, ce sera avec grand plaisir, les critiques, les retours, et puis bon courage. Vénus, le film fait par Michael Yuan et avec Naya, donc en tant qu'actrice principale, est un film qui est interdit au moins de 18 ans. Vous m'avez raconté tout à l'heure que vous avez demandé au CNC qui vous a accordé une interdiction au moins de 12 ans, mais vous êtes certain qu'ils ne l'ont même pas regardé, en fait. Oui, je le confirme. C'est un film qui va diviser, qui est déjà passé dans certains festivals, qui voilà, c'est un film qui divise.
Mais avec Soazic, Pascal et Nathalie, on a énormément discuté avant de vous le montrer. Pour nous, il est extrêmement important. On a pris du temps pour en parler avec vous, avec, pour parler avec toi, Naya, aussi, du sujet, etc. Il y a Marilyn, la maman de Naya, qui est dans l'assistance. Tu es juste la maman. Voilà, c'était triplé. Voilà, donc c'est aussi un court-métrage fait quasiment en famille, quelque chose d'extrêmement fort. Bref, j'espère qu'il saura vous parler. Et effectivement, n'hésitez pas à venir nous parler à l'extérieur, à l'issue de la séance, pour digérer, pour dire ce que vous avez à dire, etc. Je préfère les mots d'amour aux mots de haine. Et pour tenter de vous récupérer après Vénus, j'ai mis un hommage au film, non, je vous laisse découvrir le genre, etc., mais qui est plutôt comique. Donc voilà, si vous dites où est-ce qu'il va encore nous emmener plus loin, non, je vais vous ramener. Et c'est un film qui est réalisé par un Italien, voilà, et il n'a pas pu être présent, il vous l'explique dans le mot qu'il m'a demandé de vous lire. Il dit « Ciao Strasbourg !» Bah oui, c'est un Italien. J'étais à deux doigts de débarquer à Strasbourg, puis ce fichu virus m'est tombé dessus, le Covid. Et donc oui, il a dit, ah, j'ai le Covid, est-ce que je viens, je viens pas, j'aimerais t'en venir. Je dis non, tu viens pas, mais si, quand même, mais ils seront rien, etc. Je mettrai les masques, oh non. Donc il m'a écrit le mot. Il continue, virus que je pensais passer de mode, mais qui aurait réussi à m'obliger à rester à la maison. C'est nul. Mais je suis heureux que mon court-métrage puisse me représenter. C'est un hommage réalisé avec passion pour un genre de cinéma que j'adore et dont j'ai tenté de capturer la quintessence avec respect et beaucoup d'admiration. C'est un honneur de partager mon travail avec vous à ce merveilleux festival. J'espère qu'à votre tour, vous serez bien infectés. Je ne parle pas du Covid, mais du film, vous comprendrez. Vive le cinéma, vive l'audience strasbourgeoise, vive le fest. Merci d'être là, d'être venu pour tout. On va lancer la séance. Et merci à vous.